me no more. Yahweh, Yahweh, beni sa mi kongwe. Yahweh, Yahweh, bate la mi kongwe. Merci à toutes et à tous de nous faire confiance pour vous informer sur les antennes de Ma Bannière Télévision. Une fois de plus, bienvenue dans ce nouveau journal. Une note sanitaire pour ouvrir cette session d'actualité. Le ministre provincial de la Santé, Publique, Hygiène et Prévention, Dr Chrysoli Maouete Konko, était devant le Chevalier de la Plume dans la soirée du lundi 23 mai 2022 pour une conférence de presse afin d'éclairer l'opinion publique sur les conditions du déroulement de la campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action en milieu scolaire. C'est mercredi 25 mai 2022 sur l'ensemble de la province du Congo central. Le détail à découvrir dans ces reportages. La lutte contre le paludisme ne peut souffrir d'aucun faille sur l'ensemble du pays en général et du Congo central en particulier. En marge du lancement officiel de la campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action en milieu scolaire, ce mercredi 25 mai 2022, le ministre provincial de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Chrysoli Maouete Konko, a balayé toutes les zones d'ombre au cours d'une conférence de presse organisée dans la salle de réunion de la division provinciale de la santé. Les élèves qui sont à l'école primaire font partie de la couche vulnérable. Donc, je prends d'abord les élèves des enfants de 0 à 5 ans, mais aussi les enfants qui ont l'âge de 12 à 13 ans sont aussi vulnérables et susceptibles de faire le paludisme. Souvent, la forme grave mène vers le décès. Voilà pourquoi nous avons jugé bon de renforcer encore le nombre de moustiquaires imprégnés d'insecticides, parce qu'il vous souviendra que c'est là deux ans passés, nous avons procédé à une distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides dans les différents villages. L'utilisation de moustiquaires imprégnés d'insecticides joue un grand rôle dans la lutte contre le paludisme, ce qui explique l'opportunité de cette énième campagne. Avec l'utilisation, ça s'abîme rapidement, parfois il y a des trous qui se créent au niveau des moustiquaires et après le lavage répétitif des moustiquaires, il se fait que l'insecticide qui est imprégné dans la moustiquaire imprégnée perd son efficacité. Donc voilà pourquoi nous devons continuer à distribuer le moustiquaire imprégné, je l'ai dit, en milieu scolaire, tout simplement parce que les enfants de l'école primaire sont les plus vulnérables et susceptibles à faire la forme grave du paludisme. Tous les élèves répertoriés dans les différentes écoles de la province du Congo central sont appelés à être dans leurs écoles respectives pour bénéficier des moustiquaires imprégnés d'insecticides. Officiellement, cette campagne sera lancée dans la cité côtière de Moanda ce mercredi 25 mai 2022 et sera exécutée le même jour dans toutes les écoles primaires du Congo central. Deuxième jour, c'est mardi 24 mai 2022, des épreuves hors session de l'examen d'état édition 2021-2022 sur l'ensemble de la République démocratique du Congo au niveau national. Le go a été donné le lundi 23 mai 2022 par la vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Aminata Namasia, avec une participation de plus de 900 000 candidats finalistes et pour la seule province éducationnelle du Congo central 1, plus de 33 000 finalistes y participent. Les détails une fois de plus dans cet élément du journal.
Au total, 918 620 finalistes participent aux épreuves hors session de l'examen d'État édition 2021-2022 sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Au niveau national, le lancement de ces épreuves a été effectué le lundi 23 mai 2022 à Kinshasa par la vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Aminata Namasia. Dans la ville portuaire de Matadi, chef-lieu du Congo central, les autorités de la province éducationnelle du Congo central 1 ont effectué la même activité au complexe scolaire horaire dans la commune de Matadi. Devant les chevaliers de la plume et différentes personnalités, l'inspecteur principal provincial du Congo central, Claude Kankou, a fait savoir les taux de participation dans sa juridiction. L'examen d'État et le jury national du cycle court est un instrument d'évaluation sommative qui sanctionne la fin des études secondaires en République démocratique du Congo. Il comprend des épreuves orales, écrites et pratiques et se déroule en deux étapes, à savoir les épreuves de la hors session et celles de la session ordinaire. Quant à la carte postale de la province éducationnelle du Congo central 1, pour la présente édition, nous organisons 6 options de l'enseignement général, 23 filières de l'enseignement technique et 3 options du cycle court. Nous avons inscrit 33 473 candidats, dont 17 480 garçons, soit 52,2%, et 15 994 filles, soit 47,8%. Après le point de départ, toute cette délégation a effectué la ronde dans différents centres d'examen pour s'assurer du bon déroulement de ces épreuves hors session de l'examen d'État édition 2021-2022 pour sanctionner la fin de la formation au niveau secondaire. Changeons de registre. Assainissement dans l'administration publique pour rester avec de vrais fonctionnaires, sinon agents publics de l'État. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, chef du gouvernement congolais, a procédé le lundi 23 mai 2022 au lancement officiel du processus d'identification biométrique des agents publics de l'État. Le détail avec Pacifique Mwanda dans cet élément du journal. Quelques jours après l'effectivité de l'augmentation de l'enveloppe salariale des agents publics de l'État, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, veut assainir ses secteurs pour maîtriser les effectifs des fonctionnaires, leur mobilité et la masse salariale de l'administration publique. Le processus d'identification biométrique des agents publics de l'État certifiés et réguliers a été déclenché le lundi 23 mai 2022 par le ministre des tutelles. La cérémonie du lancement a été présidée par le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé à la place Golgotha au bâtiment de la fonction publique à Kinshasa. C'était en présence de plusieurs hôtes du pays. Dans son allocution, le chef du gouvernement a salué cette initiative et a rassuré l'opinion publique du bon déroulement de ces processus d'identification sur toute l'étendue du territoire national. Le travail qui devra se poursuivre en province pour être finalisé va permettre une meilleure gestion, comme cela a été annoncé, de notre administration publique. Ne l'oublions pas, toute la structure de l'État repose sur vous. Et vous, la sève de cet arbre, est l'administration de la République démocratique du Congo. Et nous devons nous appuyer sur vous. Jean-Pierre Liaou s'est montré déterminé à moderniser son secteur tout en lui réservant un thérapeutique de choc. Nous réservons une thérapeutique de choc, laquelle doit nécessairement passer par une maîtrise complète des effectifs de l'administration publique. Suivant les 3 volets ci-après, la maîtrise des effectifs des agents actifs, la maîtrise des effectifs de passifs, retraités et rentiers, et la maîtrise des effectifs des services relevant des budgets annexes. Notons que cette décision a été prise pour finir avec les phénomènes doublons et agents fictifs. Timbre vocal de Pacifique Mwanda, changeant une fois de plus de registre. Le verdict de la Cour d'appel du Congo central sur les contentieux électoraux par rapport au scrutin de gouverneur et vice-gouverneur du 6 mai dernier, du 6 mai plutôt en cours pour les premiers tours et les 9 mai pour les seconds tours, reste encore à la une de l'actualité provinciale. Cette Cour s'est donc prononcée le lundi 23 mai 2022.
a confirmé l'élection du gouverneur du candidat Guy Bandou Ndungidi et Grace Bilolo, respectivement gouverneur, candidat gouverneur Eli et vice-gouverneur Eli de la province du Congo central. La cour d'appel du Congo central donc fait office de la cour administrative d'appel. Tous les obstacles sont aplanis sur les chemins qui mènent à l'investiture du nouveau gouverneur et vice-gouverneur élu du Congo central le 9 mai en cours au second tour. Se prononçant sur les contentieux électoraux, la cour d'appel de Matadi a jugé irrécevables les requêtes de candidats malheureux Diomi Ndongala et Degaba pour défaut de qualité. La cour d'appel du Congo central, siégeant conformément aux dispositions des articles 154 et 224 de la Constitution de la République démocratique du Congo et faisant application de l'article 74 alinéa 4 de la loi électorale, le ministère public entendu proclame les résultats définitifs issus du deuxième tour du scrutin du 9 mai 2022 comme suit. Total des électeurs sur la liste 41. Total des votants sur la liste 41, suffrage valablement exprimé 41, taux de participation 100%, bulletin de vote non valide 0, bulletin blanc 0, Bayokisa Kisula Nefertiti a obtenu 8 votes. En conséquence, proclame élu à la majorité absolue gouverneur de la province du Congo central, Monsieur Bandou Ngundigi Guy. À quelques mètres de ce palais de justice, le verdict de la cour était attendu comme un match de football par les cadres de militants de l'Union pour la Nation congolaise INC et d'autres partisans du nouveau homme fort du Congo central, Dr Guy Bandou Ngundigi. Ils vont poursuivre la célébration de cette décision de justice par une marche pacifique avec des fanfares jusqu'au centre-ville devant l'hôtel du gouvernorat, qui sera le cabinet de travail dans les jours qui suivent du nouveau gouverneur et vice-gouverneur, une fois investi par le chef de l'État. Aujourd'hui, une journée de jouissance immense, parce que tout a été mis au clair. On attendait les prononcés de la cour et aujourd'hui, cela vient d'être mis en application. Alors nous saluons et nous disons un grand merci au président de la République démocratique du Congo. Les communs des mortels s'impatientent pour l'investiture du nouveau chef de l'exécutif provincial et son vice, espérant au redécollage économique du Congo central. Et dans l'actualité continentale, le président algérien a entamé depuis début mai une série de consultations avec des leaders politiques et des forces vives de son pays. Question de pouvoir retrouver la stabilité politique et économique de son pays, l'Algérie. Le détail dans cet élément de nos confrères TV5 Monde. Pour Abdelmajid Tebboune, c'est une main tendue. Depuis début mai, le président algérien rencontre les chefs des partis politiques. À l'instar d'Abou El Fadl Badji, secrétaire général du FLN, ou encore de Sofiane Djilali, président du parti Jil Jadid. Une série de réunions qui vient après la publication de 7 dépêches par l'agence officielle algérienne APS, où il est écrit que le président n'est pas clivant, bien au contraire, et que le mot « exclusion » est banni de son lexique. Rassembler, c'est donc l'objectif affiché par l'exécutif algérien, salué ce dimanche par le chef d'état-major de l'armée. En visite à Oran, il l'a qualifié de démarche louable, mue par une volonté politique sincère. Certains partis d'opposition, comme le mouvement de la Société pour la paix, veulent y croire. Pour le député Ahmed Sadouk, la main tendue présidentielle pourrait enfin sortir le pays de l'impasse politique. Le pouvoir en Algérie a raté beaucoup d'occasions qui auraient pu permettre le passage d'une situation à une autre, mais malheureusement nous avons raté ces occasions, notamment pendant et après le Hirak. Ce n'est pas grave, il est temps de tourner la page et regarder vers l'avenir en espérant que cette initiative soit une démarche sérieuse. Mais d'autres doutent du sérieux de la démarche. Pour certains partis d'opposition et personnalités proches du Hirak, le système doit d'abord donner des gages de sa bonne foi. Si le pouvoir, si le système algérien veut réconcilier les Algériens, l'une des conditions préalables,
c'est de libérer tous les détenus d'opinion qui sont dans les prisons algériennes. Deuxièmement, c'est arrêter les poursuites judiciaires contre les activistes. Depuis février cette année, plus de 70 détenus d'opinion ont été libérés. Mais 230 à 250 personnes sont toujours en prison, selon le Comité national pour la libération des détenus. Une grâce présidentielle pourrait avoir lieu le 5 juillet, à l'occasion des célébrations du 60e anniversaire de l'indépendance du pays. Parlons sport et précisément Ballon rond dans ce journal avant de nous quitter complètement. L'AS Veti Club de Matadi et le tout-puissant Mazembe de Kasangoulou sont là les deux clubs du Congo central engagés à la deuxième division de la Ligue nationale de football, l'INAFOOT. Malheureusement, pas de soutien financier du côté gouvernement provincial du Congo central pour pouvoir voler plus haut. Respectivement, président des supporters de l'AS Veti Club de Matadi et le tout-puissant Mazembe de Kasangoulou, Bill Lao Pongi et Peter Ntiama ont passé les messages des clubs dans cet élément du journal. Seul l'accompagnement du gouvernement provincial sur les plans financiers ne fait pas route ensemble avec les deux clubs de football du Congo central, en l'occurrence le tout-puissant Mazembe de Kasangoulou et l'AS Veti Club de Matadi, engagés à la 4e édition de la LINAFOOT League 2 2021-2022. Quant aux performances sur le terrain, la satisfaction est au rendez-vous dans le chef des deux équipes suite aux points engrangés dans la compétition nationale. Mazembe de Kasangoulou est en bonne position. On a 32 points. Les deux clubs se positionnent bien vraiment. Le gouvernement provincial a son équipe. Il y a eu des détournements, une mauvaise signature, le gouverneur a signé pour que Mbappé soit équipe. Ils nous ont présenté un document avec une mauvaise signature qui n'avait rien à voir avec le décaissement de l'argent pour payer les frais de participation de nos clubs engagés en Ligue 2, mais un pire mensonge pour accentuer leur mauvaise foi. Les deux équipes doivent payer 10 000 dollars américains à l'organisateur de la compétition comme frais de participation. 5 000 dollars pour Mazembe de Kasangoulou et autant pour Veti Club. Mais voilà que le gouvernement provincial préfère nous mentir en nous présentant des faux documents. En tout cas, c'est la toute première fois. Les deux formations du Congo central sont bien parties pour se maintenir en division inférieure du football en République démocratique du Congo. Voilà, chers téléspectateurs de ma bannière télévision, ça n'est complètement fini pour cette édition du journal, réalisée du côté technique conjointement par Jefté Balumbu et Christian Simba. Merci d'avoir été les nôtres. Et là, nous disons joyeuses fêtes de Noël à toutes et à tous les Kimbanguis du monde entier. Au revoir.